Depuis hier, une taxe verte sur l'essence est entrée en vigueur. Le hic, c'est que la distribution des biocarburants connaît quelques couacs. Le consommateur se voit donc taxé sur un carburant fantôme. Georges De Wulf, Ekine Erkan. Voilà donc à quoi ressemble actuellement l'usine censée fournir la moitié de la production de biocarburants pour la Belgique. Elle est loin d'être prête. Ça va terminer novembre 2008. Et ça veut dire que vous pourrez commencer à produire quand? Immédiatement, novembre 2008. Un large sourire et pas l'once d'une inquiétude dans le discours de ce dirigeant. Et pourtant, l'automobiliste, lui, paye déjà depuis hier 3,7 centimes de plus le litre pour favoriser l'utilisation de ce carburant inexistant. Aucune usine en Belgique n'est en mesure de le produire. Il y a toujours possibilité de faire une acquisition provisoire à l'étranger. Je crois que le consommateur ne doit pas souffrir de cette situation. Et nous ne pouvons pas remettre en cause une loi en affaires courantes votée il y a 1 an et 4 mois, parce qu'autrement le Conseil d'État, je dirais le fonctionnement normal de l'État ne serait plus assuré. Et donc on est dans cette situation paradoxale. Mais encore une fois, on trouve parfois des trésors de solutions en Belgique. On va voir si c'est possible. Une bonne dose d'imagination, voilà donc le secret pour voir ici une usine et trouver une solution à cette situation surréaliste, pour le moins paradoxale et plutôt coûteuse.